Est-ce que à Paris, au niveau d'une grande métropole, on peut susciter des dynamiques un peu semblables, ou bien quels sont les moyens que vous pouvez avoir à Paris pour rendre les citoyens actifs par rapport aux questions climatiques, par rapport à la transition écologique plus généralement? Est-ce que vous avez déjà développé un certain nombre d'actions? Qu'est-ce qui permet aux gens d'aller vers une autre raison de vivre, vers d'autres valeurs, vers d'autres formes que le consumérisme forcené, qui est quand même aussi également très présent dans notre capitale? Bonjour. D'abord, je pense qu'il y a une chose qu'il faut préciser, c'est pourquoi en fait les grandes villes comme Paris et les grandes métropoles à travers le monde se posent la question du climat et s'investissent dans les questions climat. Parce que ce n'est pas forcément toujours évident, y compris pour mes collègues politiques à la mairie de Paris, de savoir pourquoi Paris met en place des politiques climat. Je pense qu'il y a quelques chiffres qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, nous, particulièrement les citadins à Paris, à travers le monde, on est fortement responsables de ce dérèglement climatique. Parce que les villes, elles concentrent 50% de la population mondiale et que ces habitants, de par leur mode de consommation, leur mode de vie, de par ces bâtiments tout autour de nous principalement aussi, par les modes de transport, sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre et aussi fortement de l'épuisement des ressources naturelles. C'est pour ça qu'à Paris, il y a une préoccupation pour les questions du climat depuis plus d'une dizaine d'années. Après, la deuxième chose qui entre en considération quand on rentre dans ces questions climat, c'est déjà aussi de se dire que très rapidement, en tout cas quand on est dans une ville comme Paris ou dans une ville n'importe où à travers le monde, qu'on va très très rapidement au-delà de la simple question environnementale. Quand on se pose la question du climat, tout de suite c'est notre projet de société de manière globale qui est interrogé, parce qu'on parle de nos modes de, ce que j'ai dit, vie, consommation, production. On doit aussi faire face aux crises économiques qui frappent tout le monde, et puis aussi à un besoin de solidarité et une demande citoyenne par rapport à ces sujets qui montent de plus en plus. Donc dans ce cadre-là, je dirais qu'à Paris, et pour faire assez rapide, on a trois modes d'action, plus un peut-être particulièrement en cette année de COP21. Le premier, c'est de se dire que la première chose qu'on doit faire nous en tant que politique, déjà, c'est d'agir, de mettre des choses en place et de faire de Paris une ville exemplaire par rapport au climat. Donc du coup, on a mis en place depuis 2007 ce qu'on appelle un plan climat-énergie territorial. Derrière ce mot un peu techno, je dois le dire, se cache l'action des politiques publiques de la ville de Paris pour lutter contre le dérèglement climatique, pour réduire l'empreinte écologique de notre ville. En gros, ce plan climat, il prévoit que d'ici à 2020, on ait réduit de 25% les émissions de gaz à effet de serre du territoire parisien, qu'on ait réduit de 25% notre consommation d'énergie et qu'on ait développé de 25% les énergies vertes. Et le plan pour y arriver, il infuse dans l'ensemble des politiques publiques de la ville. C'est par exemple 25 000 logements sociaux qui ont été rénovés thermiquement. C'est par exemple la politique de transport qu'on a mis à la ville de Paris avec moins de voitures, plus de circulation douce, plus de vélos, Vélib, et une journée d'ailleurs comme celle-là où normalement dans une demi-heure, nous ne devrions plus avoir de voitures qui tournent autour de ce débat. C'est un plan qui, par exemple, a permis qu'on ait aujourd'hui 25 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques dans Paris, 30% d'alimentation bio dans les cantines scolaires, etc. etc. Je ne vais pas tout détailler, mais voilà déjà l'idée. La première idée à Paris qu'on a, c'est Paris doit être exemplaire avant de demander à ses citoyens de faire ce même effort. Et puis, aujourd'hui, dans cette politique climat, non seulement on est dans réduire l'empreinte, mais on ouvre une nouvelle page de cette politique en se disant aussi qu'il faut qu'on se prépare très fortement à l'avenir. C'est-à-dire que le climat, il est en train de changer et il va avoir un impact aussi sur la vie des Parisiennes et des Parisiens. Notamment, à 50, 100 ans, il faut se poser la question de nos ressources en eau, nos ressources en énergie, nos ressources aussi en alimentation. Comment est-ce qu'on va faire demain pour approvisionner, garantir cet approvisionnement à la ville quand on a un dérèglement climatique qui finalement fait qu'on va avoir des périodes de canicule plus fortes, un approvisionnement qui va être plus compliqué. Et donc, on travaille sur ces questions-là, on anticipe l'avenir. Ce qui n'est pas toujours évident chez des politiques de se projeter plus loin que leur mandat, mais on essaye de faire cet effort-là. Et notamment, je citerai juste une chose qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Moi, je fais partie notamment des gens qui sont les grands défenseurs de la gestion publique de l'eau, parce que l'eau va être un enjeu majeur pour les vies humaines et pour les villes à l'avenir. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait une maîtrise publique de l'intérêt général sur les ressources en eau. C'est le cas à Paris, mais ce n'est pas encore le cas partout dans des grandes villes du monde où c'est encore les grandes multinationales qui gèrent cette eau. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième, évidemment, et qui est arrivé très rapidement avec les politiques climat, c'est de se dire, nous, villes de Paris, même si on fait les plus grands efforts par rapport à ces questions climat, on n'y arrivera pas seul. Il y a besoin d'une dynamique et d'une dynamique qui infuse vraiment l'ensemble de la société parisienne.
Cette société parisienne, elle bouge déjà. On le voit depuis plusieurs années qu'il y a une préoccupation par rapport à l'alimentation, par rapport à la qualité de vie, par rapport à la vie de quartier aussi. Et donc, du coup, on est allé chercher tous ceux qu'on a appelés aujourd'hui les acteurs du Paris durable. Ce sont des gens qui sont engagés dans des actions de développement durable au quotidien. C'est une personne qui va lancer un compost de quartier. C'est un jeune entrepreneur qui lance Bio Burger, qui s'approvisionne seulement en circuit court. C'est des gens aussi, comme par exemple, je vous en donne que quelques exemples, parce qu'ils sont quand même 3000 aujourd'hui, comme une entreprise qu'on a découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Empoussette Simone. Deux papas qui ont quitté le monde de la finance pour aller faire de la récup d'objets de petite enfance pour les remettre dans un circuit de réutilisation et de revente. Ça peut être aussi carton plein, des gens qui font de la récupération de carton pour les déménagements, pour les réutiliser plutôt que de les jeter après chaque déménagement. Et donc on est allé chercher toutes ces initiatives dans Paris et on s'est dit qu'il ne faut surtout pas qu'ils restent isolés dans Paris, il faut qu'on les mette en lien. Et c'est comme ça que la ville de Paris a mis en place le réseau des acteurs du Paris durable. Aujourd'hui, ce sont 2500 acteurs à peu près, mais qui touchent 250 000 personnes à Paris. C'est quasiment 10% de la population parisienne. Avec une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir la politique publique, qui est de se dire, on ne commande pas d'en haut et ça se passe sur le terrain. C'est plutôt, il y a des choses qui se passent sur le terrain. Et comment on aide ces dynamiques à prendre forme, les gens à se rencontrer, à faire de l'émulation collective, à les faire connaître, à donner la petite étincelle et le petit coup de pouce qui permet à ces initiatives de prendre encore plus corps. Et ces acteurs aujourd'hui, eh bien, ils ont leur maison, la maison des acteurs du Paris durable dans le 4e arrondissement que la ville de Paris leur a confié. Ils sont quasiment en autogestion de leur vie. Et c'est une nouvelle façon aujourd'hui, je pense, de faire de la politique et d'allier les choses de manière intelligente pour aller plus loin. Troisième grand volet d'action de la ville de Paris et qui me semble d'autant plus intéressant en cette année de COP21, c'est que on n'est pas seul en fait les villes à lutter contre le dérèglement climatique. On est plein de villes à travers le monde à se poser les mêmes questions, à avoir les mêmes problèmes face au dérèglement climatique et à avoir à envisager l'avenir conjointement. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça fait aussi là 10 ans que la ville de Paris est dans plusieurs réseaux de villes internationaux. Et dans un monde qui est extrêmement compétitif, ce qui est intéressant avec le climat, c'est que le mot de coopération reprend son sens. Aujourd'hui, quand on se retrouve, les maires adjoints comme moi de ces villes, quelles que soient nos origines de pays, quelles que soient nos origines politiques aussi, quand il s'agit de parler de climat, on se met autour de la table et on cherche des solutions. Et donc dans ce contexte-là, on a deux grands enjeux à venir pour les années qui viennent. C'est un, faire entendre cette voix des villes. Je dois vous dire que par rapport à un événement comme la fin de l'année qui est la COP21, on a évidemment beaucoup d'attentes par rapport aux États. On veut qu'ils prennent cet accord, mais ce que nous on leur dit, c'est depuis 10 ans, on fait sur le terrain dans nos villes, on fait avec les gens et les citoyens. Regardez ce qu'on fait, prenez exemple et bougez-vous à la fin de l'année. On a besoin d'un engagement, donc cette parole de ville, on l'organise cette année aussi. Le lobby des villes, la diplomatie des villes existe dans le cadre de cette COP21. Et le deuxième enjeu majeur, c'est la solidarité internationale. Parce que nous, aujourd'hui, on développe des solutions face au dérèglement climatique dans nos villes, dans les villes du Nord. Mais dans les villes du Sud, les dérèglements climatiques, ça implique des questions en termes d'enjeux vitaux, pour le coup. Et donc, du coup, il faut pouvoir aller aussi organiser la solidarité. On est tous sur la même planète, dans le même bateau. Et donc, du coup, aussi de travailler sur nos programmes de solidarité internationale pour aider à faire face au dérèglement climatique. Alors je dirais 2 points pour finir, je ne sais pas combien ce qui me reste de temps, mais effectivement cette année COP21, on avait un enjeu majeur, nous à la ville, qui était de prendre ce débat climat et finalement de le sortir de la stratosphère des avertis. Moi je dis toujours ça, mais c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'il y a 15 à 20% peut-être des gens qui partagent les enjeux tels qu'on les partage nous aujourd'hui, mais il y a encore plein de gens à convaincre et il faut aller encore plus partager ces enjeux. C'est pour ça que cette année, peut-être vous l'avez vu, mais beaucoup des événements, grands événements publics de la ville sont teintés climat, nuit blanche, Paris plage. On a essayé d'aller amener les enjeux partout où on pouvait. On a des partenariats avec énormément d'associations, avec les écoles. On a évidemment été ravis de pouvoir soutenir Alternativa et de pouvoir amener un petit peu notre pierre à l'édifice de ce qui va se passer aujourd'hui. Et on aura encore d'autres événements jusqu'à la COP21 qui vont arriver. En tout cas, moi, et je voudrais vraiment finir sur une note positive, parce que quand on parle de climat, il y a toujours un moment où on a tous un peu peur et on se demande de ce qui va se passer. C'est que je trouve quand même que cette transition, elle est en cours. Et je crois qu'Alternativa aujourd'hui, c'est vraiment un bon exemple de montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pour autant, il y a encore du chemin à faire pour partager ces enjeux, amener les gens
à rentrer dans cette dynamique. Du chemin aussi à faire pour faire bouger les politiques, et j'en suis, je n'ai pas peur de le dire, qu'il faut effectivement encore secouer l'appareil politique. Moi, je ne suis pas du tout non plus pour que les enjeux aussi majeurs que le dérèglement climatique pèsent sur les seules épaules des citoyens. Il faut que les politiques prennent leurs responsabilités face à ce débat. Il faut aussi qu'il y ait plus de gens qui s'engagent, quitte à aller aussi un peu virer, je crois que j'ai pas trouvé d'autres mots, un certain nombre d'élus qui sont encore dans l'ancien monde, et il faut rentrer dans le nouveau monde. Et ce que je trouve en plus d'autant plus intéressant, c'est que quand on se penche sur les questions climat, on ouvre la porte d'une société finalement plus sobre, plus juste aussi, et qui prend tout son sens parce que, et c'est vraiment, je trouve, on le sent ici aujourd'hui, quand on rentre dans les projets climat, le point commun, quels que soient les projets dans lesquels vous êtes, c'est que ça fait du lien, on se retrouve et qu'on est en train, avec ça, de faire communauté dans le bon sens du terme à nouveau. Et je trouve que ça nous laisse une perspective d'avenir extrêmement optimiste. Merci Célia.